Novak Djokovic est libre. Le numéro 1 mondial de tennis remporte une première manche dans la bataille judiciaire qui l'oppose aux autorités australiennes. Aung San Suu Kyi, une nouvelle fois condamnée, l'ancienne dirigeante birmane écope d'une peine de 4 ans de prison pour détention illégale de talkie-walkie. Début des discussions à Genève sur l'avenir de l'Ukraine entre représentants russes et américains. Son éventuelle adhésion à l'OTAN est une ligne rouge pour le Kremlin. Retour à la normale très progressif au Kazakhstan. Selon un dernier bilan, les émeutes de la semaine dernière ont fait au moins 160 morts. Novak Djokovic est libre. Le numéro 1 mondial de tennis a remporté une victoire dans la bataille judiciaire qui l'oppose aux autorités australiennes. Le juge du tribunal fédéral a estimé que le Serbe est bien rentré légalement dans le respect de la réglementation sanitaire sur le territoire national. Depuis 5 jours, le joueur est retenu dans un centre de rétention de Melbourne en attente d'une décision. Pour le gouvernement de Canberra, il s'agit d'un revers très symbolique, mais l'exécutif pourrait encore ordonner l'expulsion de Djokovic, ce qui aurait pour conséquence de lui interdire toute entrée sur le territoire australien pendant 3 ans. En attendant, le joueur devrait reprendre la direction des cours et de l'entraînement. L'Open d'Australie débute dans 7 jours. Novak Djokovic ambitionne de s'offrir un 21e tournoi du Grand Chelem qui le placerait au sommet de l'histoire du tennis devant ses deux rivaux historiques, Roger Federer et Rafael Nadal. La campagne de vaccination se poursuit en Europe. Le Royaume-Uni intensifie son effort pour injecter une dose de rappel à ses habitants alors que le variant Omicron est majoritaire dans le pays. Dans le même temps, l'exécutif envisage de suivre l'exemple des États-Unis et de réduire la période d'isolement pour les personnes testées positives au coronavirus de 7 à 5 jours afin de soulager la pression en entreprise et dans les services publics. Je m'en remettrai évidemment toujours à l'avis des scientifiques sur ce point. Cela contribuerait à atténuer certaines des pressions exercées sur les écoles, sur les effectifs critiques. Mais je serai absolument guidé par les conseils des experts. En Espagne également, le variant a dopé les taux de contamination. Selon les derniers chiffres, le pays est désormais passé devant le Royaume-Uni en termes de tests positifs quotidiens. La sixième vague commence à mettre à rude épreuve le système de santé du pays, mais pas seulement. Le secteur privé souffre également du nombre élevé d'arrêts maladie qui se compte en centaines de milliers ces derniers jours. Rien que cette semaine, 5 ou 6 collègues ont été infectés et c'est impossible de trouver des remplaçants. En Allemagne, les autorités sont prêtes à tout pour convaincre parents et enfants de se faire vacciner. La ville de Cologne a ainsi tout simplement aménagé un Airbus pour faire décoller le taux de vaccination des 5-11 ans. Je pense que c'est une excellente campagne. Pour les enfants, c'est quelque chose de complètement différent que chez le pédiatre et tout est très bien organisé. En Chine également, les autorités ont en quelque sorte le goût de la démesure. Dans le nord de la Chine, la mairie de Tianjin a conseillé dimanche à ses 14 millions d'habitants de rester chez eux pendant qu'elle procédait à des tests massifs. En cause, une série de cas récents, dont plusieurs liés au variant Omicron. Selon les derniers chiffres officiels, le pays n'a enregistré que 100 000 cas, dont 4 600 mortels depuis le début de l'épidémie. Aung San Suu Kyi, une nouvelle fois condamnée. L'ancienne dirigeante birmane écope d'une peine de 4 ans de prison pour détention illégale de talkie-walkie. Cette peine s'ajoute à celle prononcée en décembre dans un autre dossier, une peine de 2 ans de prison pour avoir enfreint les restrictions sur le coronavirus. Pour les associations de défense des droits de l'homme, ces différentes condamnations sont des prétextes utilisés par les militaires pour écarter Aung San Suu Kyi. Ils essayent d'accumuler les charges contre elle pour s'assurer qu'elle ne sorte jamais. Je pense qu'ils veulent la retenir indéfiniment. Ils la considèrent comme une menace politique vis-à-vis de leurs efforts pour prendre le contrôle du pays. Ils vont jeter toutes les charges qu'ils peuvent contre elle. Mais pour le peuple birman, il ne fait aucun doute qu'elle est leur chef élu. Elle est celle qu'ils veulent voir à la tête du gouvernement. Et l'armée birmane nie cela en intensifiant ses fausses accusations à caractère politique contre elle. Aung San Suu Kyi a été arrêtée il y a près d'un an lors du coup d'État du 1er février. La lauréate du prix Nobel de la paix est assignée à résidence dans un lieu tenu secret. Ses avocats n'ont pas le droit de parler à la presse. Son procès se déroule à huis clos devant un tribunal spécial mis en place par la junte au pouvoir. Deux hauts responsables russes et américains se réunissent pour 3 jours à Genève pour des discussions axées sur la situation en Ukraine. Dès dimanche soir, le vice-ministre russe des Affaires étrangères et son homologue américain se sont rencontrés.
Une discussion compliquée, selon les mots du représentant du Kremlin. Pour Moscou, la potentielle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une ligne rouge infranchissable. Ce sont les Américains qui devraient se préparer à trouver un compromis. La partie russe est venue ici avec une position claire qui contient un certain nombre d'éléments qui, à mon sens, sont compréhensibles et ont été si clairement formulés, y compris à haut niveau, que s'écarter de nos attentes n'est tout simplement pas possible. Auparavant, le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait mis en garde contre les conséquences que pourrait avoir une nouvelle offensive russe en Ukraine. Dans une interview à la télévision américaine, il a plaidé pour une résolution diplomatique tout en laissant entendre que la réponse de Washington et de ses alliés de l'OTAN à une agression russe serait sans ambiguïté. Ces sanctions pourraient aller jusqu'à couper la Russie des rouages de la finance mondiale ou empêcher l'entrée en fonction du gazoduc Nord Stream 2. Les États-Unis accusent la Russie d'avoir positionné 100 000 soldats près de la frontière ukrainienne. Pour l'administration Biden, le droit des États souverains à demander l'adhésion à l'OTAN n'est pas négociable. L'objectif des Occidentaux est de se montrer plus déterminé qu'en 2014, lorsque Moscou avait annexé la Crimée ukrainienne sans que l'alliance américano-européenne parvienne à la stopper. Après 3 jours de violentes manifestations, le calme semble être revenu dans les rues d'Almaty. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités du Kazakhstan qui ont durement réprimé la protestation. Moscou continue de déployer des troupes et d'autres personnels dans le cadre d'une mission dite de maintien de la paix. Appelé à l'aide par le président Tokayev, le grand frère russe détient en réalité des intérêts stratégiques dans ce pays d'Asie centrale, riche en ressources naturelles. Et la question est aujourd'hui de savoir combien de temps les soldats de Vladimir Poutine y resteront. En attendant, les autorités tentent de faire disparaître les stigmates de ces jours de violence. Selon un dernier bilan officiel, au moins 164 personnes sont mortes ces derniers jours et près de 6000 ont été arrêtées. Les manifestations, déclenchées par une hausse du prix du gaz, se sont transformées en émeutes et propagées à tout le pays. Dans les rues d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, où les tensions ont été les plus vives, les habitants n'ont pas été étonnés par ce soulèvement contre la vie chère. Nous avons passé la fin de l'année avec une pénurie de marchandises à des prix délirants, qui bien sûr ont été répercutés sur les consommateurs. Il suffit d'aller dans un magasin pour constater que les couches coûtent une somme folle, par exemple. Je pense qu'à partir de maintenant, le gouvernement prêtera plus souvent attention à la voix du peuple. Signe d'un retour progressif à la normale, Internet a été rétabli ce lundi matin après plus de 5 jours de coupure dans le pays. Tchingeti, au nord-ouest de la Mauritanie. Fondée au XIe siècle, cette ancienne ville oasis était alors le carrefour des routes commerciales transsahariennes. De cette époque, elle a conservé d'inestimables collections de manuscrits, de véritables trésors qu'elle tente d'entretenir le mieux possible. Pour préserver les vieux livres, nous avons d'abord utilisé différentes sortes de produits chimiques dans des bassines d'eau et d'autres produits spéciaux pour la préservation des livres. Tout ceci afin qu'ils ne soient pas détruits par les termites et les insectes. Récemment, nous avons dû exposer tous ces manuscrits au soleil afin qu'ils prennent la chaleur. Puis nous avons ajouté du sel pour les protéger des insectes. Religion, mathématiques, littérature ou encore astronomie sont quelques-uns des thèmes qui font la richesse de ces manuscrits et ont transformé Tchingeti en centre d'apprentissage. L'endroit doit cependant faire face à de nombreux obstacles et dangers pour continuer à exister. En 1995, il y avait un petit espoir que la ville puisse accueillir des touristes. Mais malheureusement, le terrorisme a empêché la venue des vacanciers et le tourisme s'est arrêté pendant un certain temps. Et puis il y a eu le Covid-19 et le tourisme s'est à nouveau arrêté. Mais cette année, les touristes reviennent un peu. On est optimiste et tout le monde est content. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996, Tchingeti doit aussi compter avec le Sahara, qui grappille du terrain et tente de reprendre ses droits.